Vous êtes bien sur la chaîne L'Univers de Pénélope. Je suis Céline, j'ai 41 ans et je suis une tricoteuse du nord-est de la France. Donc aujourd'hui, ça va pas être une vidéo comme d'habitude où je vous présente mes projets en cours, mes projets finis, etc. Donc aujourd'hui, je vous tourne déjà la vidéo début... on est le 11 août, donc c'est pas début août, c'est quasiment mi-août. Mais parce que, voilà, comme dit, mon conjoint est en congé, donc pour ça, je ne tournerai pas de vidéo pendant les congés. Du moins, je pense pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits likes, à faire des commentaires, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Voilà. Je voulais vous remercier pour tous ceux qui me suivent déjà depuis quelques mois, voire même depuis quelques années déjà, hein, pour les plus anciens. Et ben, on va tout de suite se lancer dans cette nouvelle vidéo. Donc, vous avez pu remarquer, j'ai des toutes nouvelles lunettes. Elles sont chouettes, hein? Je les ai récupérées hier soir, donc hier soir, on était le 10 août. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur 10 projets, je crois qu'il y en a 10, ouais, peut-être un peu plus, que j'ai vraiment, que je pense faire, peut-être pas en 2023, mais 2023-2024, quoi, hein. Voilà. Donc, pour beaucoup, quasiment tous, ils sont sur Ravelry. Il y en a juste un qui n'est pas sur Ravelry, qui est dans le Pose Magazine, et c'est d'ailleurs le gilet là qui est en couverture parce qu'il me plaît vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Alors, je vous retrouve juste le nom du gilet. J'aime vraiment beaucoup et je le trouve très chouette. Alors, où est-il, coquin? Où te caches-tu? Voilà, c'est le gilet Fleur de mai. Voilà, il est vraiment très, très beau. Il est vraiment super, super chouette. Il a été designé par Marie-Christine Lévesque. Bon, bah alors c'est du Marie-Christine Lévesque. Hein. De toute façon, c'est une valeur sûre, il n'y a pas de souci. Et il me semble que Laine Amourée vend des kits pour faire ce magnifique gilet sur son site internet. Et donc là, le kit en mataille, il est à 76,50 €. Après, c'est des pelotes qui font combien? Donc, c'est du 50 g 200 mètres. Ouais, donc en fait, on peut utiliser, je vais peut-être commander dans ce cas pour faire ça, la Baby Merino de chez Drops. Ça devrait le faire aussi. Voilà, sinon, elle fait des très beaux kits, hein, magnifiques kits hein, pour ce très beau gilet. Donc, vous pouvez acheter les kits hein, sur le site de Laine Amourée. Et ils sont vraiment très, très beaux. Top, qui est là. Comment il s'appelle? Le liseron est également magnifique. Il me fait également fortement envie. Donc, celui-là, il se tricote en fingering. Inès de Woolly Sim. À voir. À voir. Je trouve que bon, de toute façon les patrons qui étaient dans ce livre sont vraiment magnifiques hein. Même les chaussettes hein, de Noémie sont topissimes aussi hein. Elles sont où les chaussettes de Noémie, les Saxe & Rose, donc c'est possible que ça passe également sur mes toutes petites aiguilles hein, sur Ravelry. Alors, patron que je n'ai pas encore, mais que je souhaite acquérir, bon, pas tout de suite dans l'immédiat, hein. C'est le Vitamine D de Heidi Kiermaier. En fait, j'aime bien ce comté qui flotte un peu, vraiment sympa. Donc, a priori, il est fait en sport. Bon. Je vais voir si je peux le faire en Merinos de Drops. La Baby Merinos. Pourquoi pas. Je le verrais bien orange en fait. Je ne sais pas pourquoi. Je le vois en orange. Voilà.
Pourquoi? J'en sais rien. Je le vois en orange. Le patron est à 9 $. Il me plaît bien celui-là. Et comme dit, c'est dommage parce que j'ai acheté effectivement des pelotes orange de Baby Merinos, mais en ma taille, il me manquerait une pelote. Je n'ai pas assez pour le faire à l'heure actuelle, il me manquerait une pelote. Voilà, parce qu'en ma taille, il faut... combien de mètres avais-je dit 1450 mètres. Et j'ai que 8 pelotes. J'ai que 8 pelotes de 175 mètres, je crois. Attendez, je ne sais plus. Enfin bon, il me manquait quelques mètres. Ça ne suffisait pas pour... j'avais calculé, je crois que j'avais que 1400 mètres. J'avais que 1400 mètres de fil. Donc ça ne suffisait pas. Donc, alors soit je recommande une pelote, soit je fais une commande à part pour ça. Et après je me suis dit, bon, si j'ai une pelote, elle ne sera pas du même bain. Mais si je la mets dans les manches, donc que j'alterne, voilà, les pelotes. Que j'alterne les pelotes, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, je pense que voilà. Ça devrait le faire. De toute façon, c'est des pelotes industrielles. Il y a toujours une différence, mais peut-être moins que sur des chevaux teint main. Donc ouais, le vitamine D me fait super envie. Je me dis, sur un jean, ça doit vraiment être sympa. Et je sais pas pourquoi, je le vois en orange. Après, ce sera peut-être en une autre couleur, hein, mais c'est vrai qu'il me fait, envie, celui-là. Ensuite, vous savez que j'aime bien les robes un peu vintage. Donc les robes style années 50, où ça part bien à partir de la taille, avec des jupons, des machins et trucs. Donc il faut toujours des gilets assez courts pour pas casser le jupon. Et donc je me suis dit, le gilet Saiga pourrait être vraiment pas mal. Ça serait vraiment sympa. Je le trouve sympa et ça me permettrait de pouvoir le mettre quand je mets une de ces robes, de pouvoir le mettre et retirer si vraiment j'ai trop chaud ou le mettre si j'ai trop froid. Donc c'est le gilet Saiga, c'est un patron de Folie Ordinaire. Il se tricote en fingering. Donc là, j'avoue que je serais tentée d'acheter la nappe de fingering nappe ou nappe fingering de chez Laine Flora. Il me faudrait 3 échevaux et le patron est à 9 €. Ça va. Donc ça, c'est un patron que je dois acheter encore, que je n'ai pas, hein. Tout comme le patron du vitamine D. C'est des patrons que je n'ai pas, donc des patrons à acheter. L'échantillon est à 26 mailles, 34 rangs. Voilà. À voir. Franchement, je le trouve chouette. Après, à voir si je fais vraiment le gilet ou si je fais le pull. Je le trouve vraiment, vraiment chouette, vraiment beau. Et comme dit, ce que j'aime beaucoup, c'est effectivement le fait que je puisse le mettre avec une de mes robes ou une de mes jupes et que ça puisse ensuite s'évaser sans être cassé par le haut. Ça, c'est vraiment tip top. Donc là, le patron, pareil, sur Ravelry, 9 €. Voilà. A priori, il a été fait pas mal, il a été fait quelques fois aussi. Il y a 72 projets sur le Saiga et sur le vitamine D. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que j'arrive à changer là? Ah, sur le vitamine D, il y a quand même 5330 projets. Ok. Ok. Ensuite, j'ai un autre pull qui me fait grandement envie. Là, j'ai le patron. J'ai la laine. Je pense. C'est le patron Loris de Crystal Newell, donc Crystal Elka Design. Donc c'est un patron qui est fait en fingering et en kit silk, en mohair quoi. Donc la dentelle est faite en mohair et tout le reste est fait en fingering. Donc moi, j'ai acheté un kit chez Laine Flora, donc une association qui se situe dans le 57, donc elle teint des échevaux,
Voilà, qu'elles vendent hein, sur le site internet. Et donc, les bénéfices servent à acheter du matériel, à manger, à payer les frais de vétérinaire de chevaux. Voilà. Des chevaux qui étaient destinés à l'abattoir parce que trop vieux, parce que machin, parce que les propriétaires n'en voulaient plus. Voilà. C'est des chevaux comme ça. Donc moi, je trouve que c'est vraiment un beau pull, là, ce pull Loris. Il est vraiment magnifique. Alors, il a été designé en collaboration avec By Night, hein, sur une base Milky Way. Alors, ce pull est tricoté en une seule pièce avec la méthode circulaire, en commençant par le col, le dos, le devant et les manches sont tricotés ensemble avant de les séparer au niveau des aisselles pour travailler le corps et pour ensuite ajouter les manches. Ce pull se porte avec une aisance positive de 8 à 15 cm. Ensuite, autre pull pour lequel j'ai la laine et j'ai le patron, c'est le Drawing Sweater. Alors là, j'avais acheté la laine chez Calédou. Enfin, le patron vaut 7,20 $. C'est un patron qui est en anglais. Donc avant les pulls, enfin les vitamines D, le patron est en anglais. Le Saiga, le patron est en français. Le Loris, le patron est en français. Le Drawing Sweater, le patron est en anglais. Bon, après, le japonais, je ne lis pas, et le coréen non plus, hein. Donc, c'est un patron en anglais. Il est vraiment très chouette aussi. Donc, ce sont des grosses fleurs, comme vous pouvez voir. C'est vraiment magnifique. Moi, je vais le faire en beige, je crois, et en rouge, un truc comme ça. Il se tricote normalement en Dererum Natura Ulysse. C'est de la sport. Et c'est 21 mailles pour 30 rangs. Ensuite, le fameux Love Knot. Voilà. Donc, c'est pour le Love Knot que j'ai acheté la Baby Merino Orange. Et donc, il faut encore que j'achète je vais prendre la Brushed Alpaca Silk pour tricoter encore le Love Knot. Donc là, je ne l'ai pas encore commandé, la Brushed Alpaca Silk. Je me dis, hop, je ne suis pas aux pièces. J'attends peut-être qu'elles soient en promotion chez Calédou. Et puis voilà, je le commanderai à ce moment-là. Parce que je veux commander, en fait, je veux faire plusieurs projets avec la Brushed Alpaca Silk. Donc voilà. Donc j'attends qu'elles soient en promotion parce que j'ai plusieurs projets à faire avec cette laine-là. Donc le patron, il vaut 9,60 $. C'est un pull qu'on fait cropped normalement. Maintenant, on peut le faire un peu plus long. Il est vraiment très très beau. C'est vraiment un pull qui a été fait à de très nombreuses reprises. Du coup, il se tricote en DK puisque c'est une fingering plus une lace combinée. Le patron, il va de 6 mois, enfin 0,6 mois à 5 XL. Donc, c'est énorme au niveau de l'inclusivité. Hein, c'est très inclusif. Alors que par exemple, les autres patrons, c'est des patrons adultes, hein, puisqu'ils vont de. Voilà, c'est que des patrons adultes. Là, le Love Knot, c'est vraiment un patron qui va. Donc, vous pouvez faire un duo maman-fille, quoi, hein, il n'y a pas de souci. Le Drawing, c'est pareil, patron adulte. Tout le reste, c'est des patrons adultes. Mais là, le Love Knot, comme dit, c'est vraiment super pratique. Vous pouvez le faire en taille enfant. Ça, c'est vraiment chouette, c'est vraiment bien étudié, j'ai adoré. Donc, vous avez vraiment un patron super inclusif pour 9,60 $. Ça va. C'est donc un patron de Teen Canitz. Comme dit, c'est une base, hein. Il a été tricoté tellement de fois qu'il a été testé et approuvé. Donc, pas encore par moi parce que je ne l'ai pas encore tricoté. Mais du coup, ouais, celui-là, j'ai l'intention de le faire en orange. Alors, j'avais acheté la laine orange. Maintenant, est-ce que je vais faire le Love Knot en orange ou le Vitamine D en orange? Toute la question se pose. Alors, après, j'ai une envie de châle aussi. J'ai l'intention de faire The Doodler de Stephen West. Le patron est à 8,40 €, pardon. Et il fait partie d'un e-book qui fait 36 €. Donc, c'est un châle qui nécessite trois couleurs. Donc pour le coloris 1, 325 mètres, donc quasiment un écheveau complet. Pour le coloris 2, 261 mètres. Et pour le coloris 3, 361 mètres. Donc vous pouvez le faire dans des singles.
Voilà, puisque les singles, en général, c'est 100 grammes 366 mètres. Donc, théoriquement, ça rentre dans des singles. Et après, avec le reste, vous pouvez les conserver, hein, les restes, et puis les mettre dans le châle, dans l'étoile Pythagore, par exemple. Voilà. C'est vraiment un châle qui me fait envie. J'ai d'ailleurs déjà les trois laines que j'ai l'intention de mettre dedans. Voilà. J'ai déjà tout à voir. Ensuite, c'est pareil, le Exploration Station. Je vous ai montré la dernière fois les laines que je pensais utiliser pour le faire. Donc, ça y est, j'ai arrêté mon choix. Ça y est. Donc, reste plus qu'à. J'ai le patron. Il vaut 8,40 €, hein, le patron du Exploration Station. Donc, c'est un patron de Steven West. Il faut 4 coloris. Le coloris A, 251 mètres. Le coloris B, 183 mètres. Le coloris C, 169 mètres. Et le coloris D, 238 mètres. Donc, vous pouvez le faire largement dans des singles. Et puis le reste, comme dit, hein, vous le mettez dans une étoile Pythagore. Voilà. Donc, c'est du Stephen West. Hein, c'est normalement super bien expliqué. C'est un mélange de différents points. C'est, a priori, c'est très marrant à faire. Voilà, j'ai une amie qui adore faire du Stephen West. Et elle kiffe faire ce genre de choses. Donc je me suis dit, pourquoi pas, je vais tenter. Quand vous regardez The Doodler, c'est pareil, il est très sympa aussi. Enfin, en tout cas, le résultat final est très sympa. Donc je me dis qu'à tricoter, il doit être super sympa aussi, j'espère. Voilà. Et parce que si c'est comme, par exemple, le Shima, le résultat est très sympa, mais alors à tricoter, c'est chiant. Hein? Donc à voir. En tout cas, ces deux-là seront sur mes aiguilles. Ça, c'est une évidence. Et les laines, que ce soit pour The Doodler ou pour l'Exploration Station, on va dire la plupart des laines proviennent de laine Flora. J'ai juste un écheveau qui provient de Une Louve dans les bois et un écheveau qui vient de la Féfil. Voilà. Donc il n'y a pas de souci, j'ai ce qu'il me faut, j'ai déjà les laines à la maison, j'ai les patrons. Dès que j'ai fini ce que j'ai sur mes aiguilles, je commence l'un des deux. Je ne commence plus là, je ne commence plus rien tant que j'ai pas fini ce que j'ai sur mes aiguilles. Bon, je dis ça. Je dis ça maintenant. Voilà. On verra. Parce que franchement, ça me tente de plus en plus, quoi. Hein. Oh, j'ai une envie de castonner, c'est dingue. J'ai plus assez de sacs à projet. Je vais être limitée. Bon, ça sert à rien de commencer 50 trucs et de pas pouvoir les finir. Alors, ce que j'ai encore également envie de faire, ça me tente pas mal. C'est le Super Cozy Sweater. Il se tricote en brushed alpaca silk. C'est un patron de Noémie You Need to Learn. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Alors, je n'ai pas encore regardé le patron. Je ne sais pas s'il est simple, comment il est. A priori, c'est un patron assez simple. Donc, je vais voir. Elle écrit, le Super Cozy Sweater est un patron très facile à tricoter en brushed alpaca silk de Drops, qui est un fil très doux et bon marché. Léger comme une plume, il se glissera très facilement dans ton sac et sera idéal entre deux saisons. Sa forme large en fait un pull parfait pour mettre sur une chemise ou sur un débardeur et un jean. Et tu pourras choisir la taille du col, resserré ou normal. En tout cas, je vais le faire, celui-là. Je vais le faire, il n'y a pas de souci. Celui-là, je vais le faire. Donc, je vais commander la Brushed Alpaca Silk hein, chez Kalidou, sachant que chez Kalidou, les prix ne sont pas excessifs. Hein. Voilà. Elle est à 2,65 € la pelote de 25 grammes. C'est du 77% alpaga, 23% soie. Et les 25 grammes font 140 mètres. J'avoue que là, ça me tente plutôt pas mal. Je ne sais pas encore dans quelle couleur je vais le faire. Peut-être le curry. Ça peut être sympa. Peut-être le curry, ouais, ça peut être vachement sympa en curry ou en rose. Non, franchement, je vais voir. Ou peut-être même le lavande pour être un peu plus doux. Je trouve ça pas mal. Donc, ouais, c'est. Moi, j'aurais besoin de 7 pelotes de ce Brushed Alpaca Silk. Voilà, ça fait donc une vingtaine d'euros pour le pull. Sachant qu'il y a encore 6 € de frais de port. Allez, ça devrait le faire.
Je voudrais également faire le gilet Elton parce que j'ai deux écheveaux qui traînent à la maison. J'avoue que jusqu'à présent, j'ai voulu les utiliser pour autre chose, ça ne me convient pas, enfin ça va pas du tout. Donc je vais utiliser ces deux écheveaux, bon c'est de la light fingering, maintenant on va déjà trouver une solution pour s'adapter. Je vais utiliser ces deux écheveaux et je vais faire un gilet Elton. Donc c'est un patron de Rory Locatelli. Donc je vais utiliser la brush style Paga Silk pour faire le mohair. Voilà la partie en mohair, je le ferai en brush style Paga Silk. Donc le patron de Rory Locatelli vaut 9,60 $. Je ne sais pas s'il est facile à tricoter. Le patron est en anglais, bon ça ne me dérange pas trop. Voilà, donc il sera fait en rose, je pense. Maintenant, c'est vrai que j'aime beaucoup le bleu vert, donc genre canard, la couleur canard, j'adore ça. Mais ouais, non, comme j'ai deux écheveaux roses, il sera fait en rose et puis basta. Je vais juste voir quelle couleur exactement je prends. Je pense que pour le mohair, je prends, enfin le, donc la brush, je vais prendre un rose un peu plus flashy, histoire de contraster un peu. Donc là, je vous ai déjà montré quelques patrons. J'ai oublié de les compter. Après, ce que je vais également faire, c'est le chèche en bois de Noémie You Need to Learn. Donc moi, je me suis acheté l'e-book le jour de sa sortie ou le lendemain de sa sortie, un truc comme ça. J'ai un écheveau de vilaine qui irait parfaitement avec. Donc comme ça, je vais liquider un écheveau de vilaine. Et je vais faire également, je pense, le chèche cadeau. Donc le chèche cadeau, le chèche en bois, le chèche sans provision et le chèche en blanc, je crois, font partie d'un e-book. L'e-book vaut 14,40 € ou alors chaque patron, vous pouvez l'acheter séparément à 6 €. C'est des patrons que j'ai, on va dire, que j'ai envie de faire. Bon, beaucoup, pour certains, ceux que j'ai déjà les patrons, je vais les faire. Il n'y a pas de souci. J'ai déjà, pour beaucoup, j'ai déjà les laines. Là, le Elton, il faut que j'achète le patron, je ne l'ai pas encore. Mais le drawing, c'est sûr, il va passer sur mes aiguilles. Le Love Note, il me manque juste une laine, mais il passera aussi sur mes aiguilles. Le Folie Ordinaire, je suis en train de me dire que éventuellement j'ai 3 écheveaux qui traînent à la maison. Qui traînent, entendons-nous, traînent, que j'ai à la maison. En Mérinos, Cachemire et Soie. The Doodler que je vais faire et le Exploration Station, je vais le faire aussi, il n'y a pas de souci. Ça, c'est des trucs pour lesquels j'ai les laines à la maison, sans souci. Pour le reste, j'ai pas encore de laine à la maison, pas pour tout en tout cas. Et il y en a certains, comme dit, je dois acheter les patrons. Donc voilà, c'était une petite vidéo aujourd'hui, juste pour vous parler des patrons que j'ai envie de faire, que j'ai envie de tricoter. Donc certains seront faits, ça c'est sûr, c'est une évidence. D'autres peut-être, je sais pas. Enfin, ils me font envie et soit j'ai déjà une partie des laines, soit il me manque la totalité des laines. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une très bonne soirée, je ne sais pas quand c'est que vous me regardez, très bon week-end ou très bonne semaine, joyeux anniversaire pour ceux qui auraient anniversaire et très bon ouvrage. Bye bye.